Salut, salut la famille, j'espère que vous allez bien. Bienvenue une fois de plus sur notre chaîne préférée. Aujourd'hui, on se tape notre nouvelle information du côté du Mali. C'est avec une volonté inébranlable que les forces armées maliennes sont en train de laver l'affront subi par les années 2012 de la part des forces obscurantistes et leurs parrains. Leur engagement est le fruit du départ de toutes les forces qui s'étaient mobilisées pour, disait-elle, combattre les terroristes ou encore instaurer la paix. Désormais, les FAMA ont pris leur destin en main dans l'objectif de libérer les régions et les villages occupés. En 2012, des terroristes de plusieurs nationalités venus de la Libye et d'ailleurs sous le couvert de la MLNA, fabriqués par certaines puissances occidentales, s'emparent de plusieurs villes du nord du Mali. Dans leurs avancées, ils furent appuyés par des combattants de Moujou et Ansadjin et de tous ceux qui s'en suivent. Leurs revendications étaient multiples et variées. Les premiers voulaient la participation du Mali et les seconds l'instauration de la charia. La désorganisation de l'armée malienne et son sous-équipement avaient contraint les commandants à se replier jusqu'à Kona, à quelques kilomètres de la ville de Mopti, soit deux tiers du territoire occupé. La bande de voyous, de brigands, de violeurs de femmes et de tueurs oblige les populations à adopter des styles de vie contraires à leur quotidien. Dans leurs aventures, les terroristes du Mujao, de l'Ansadjin, parviennent à chasser les MNLA qui, selon eux, ne sont que des boucs émissaires de l'Occident. Restez toujours pour toi en commentaire et respectez les règles de communauté. N'hésitez pas de liker la vidéo, de la